commencé à faire la comparaison entre Fally et Fay. Un homme appelé par Dieu dans le ministère majoritairement connu peut-il perdre le temps à commencer, au lieu de poser le fondement, à comparer où est son que j'ai ça. Namoni va faire ses autres quitter la démission Denis de Sasso Sal. Je le conseillerais de ne pas aller dans ce combat. Pour l'instant, on a déjà des bobines ça. Parce que ma version sur comme Bungayo, c'est que nous avons la carte à qui? À Kiti. Il est sali au Kokaïde. Dans un bateau, on a attaqué à l'église, on a pour les vignes au Kokabango. Fixé date. Nous allons soutenir ça comme l'événement de l'année. Mon frère Denis Lazi, je n'ai rien dit de mal. Tu sais, je t'aime beaucoup. Mais toi-même, tu as provoqué le combat avec Bigwe. Maintenant, nous, on va vous organiser un combat. Faut pas dire qu'on a vous obanaté. Si tu ne viens pas, moi, je vais prendre Bigwe, je viendrai avec lui chez toi. Kola kisa mupaka na mabete ko mupaka no soma moni mabona na kati naoba ozoba pekisangana tike kobo na yo moko bembele pakira mupao ko mikolia misuni vedire misuni mekene misuni plutôt de faire le fanatisme dans l'œuvre de Dieu et la camaraderie. Je parle bien avec Denis et mon frère, mais en matière de l'évangile, attention, on se soutient mutuellement dans la faiblesse de la chair. Mais quand quelqu'un touche à la doctrine, ça lui veut casser les os. On ne peut pas permettre que les os de Jésus-Christ soient cassés. Écoute, on a là là, yo, Nabilo Koso, déjà tout le monde a déjà ambassé qui dit. Nous sentons déjà que Dieu a diminué en termes de références bibliques. Bah, frère, moi je pense que je demande à l'opinion nationale, finançons ce combat. Voilà l'homme de Dieu qui vient de demander un combat que moi, Roger Baka, je m'engage comme arbitre. On va organiser cette année le grand événement de l'année. Combat et Dingwe contre Denilesi. Nous, on va le soutenir en prière. Et Dingwe aura sa fanfare. Je vous demande de nous communiquer la date. Mettons les moyens en jeu comme des mécènes. Et on va voir. Dingwe va faire. Alors, si les 20 part, l'église n'a pas comme l'église, il y a Dingwe. La prévenaka. Je ne sais pas si je suis là prophétiquement. Je ne sais pas si je suis là prophétiquement. Je ne sais pas si public à la bêtise. Pour que les gens ne disent pas que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si je suis là pour que les gens. Attention. Moi, na maman, je suis là pour que solo maman, je suis il y a des coachs qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se faire. La poche des yeux, Ridna Elongi. Vieillissement, au profiter de la cache, au comment qu'on bombe Elongi. Au comment qu'on est en train de se faire. Pour vous, Kanate, Luka Kaka, Mama Jisnovite, au cousin à leke leke. Mouette, mouette. Kou. Maman a gagné. Babi maman Jisnovit a soigné nous sur taille le poisson dont on a bien nous. Yo mutobete la batampo. Et ça la tes invité si la caté. Et le nyenzuluka. Et comment le comme batoumé na depo makala. Yaka pote bi docteur Zaka Kamoko. Coach Zaka Kamoko. Kozoé ezana mo facile. Azape na Facebook, WhatsApp, ba site nous sur internet. Ce que le ngozo va produire nae, il faut zone ngozo partout dans le monde. Tobeta www. Jisnovit.com. Azoce la paix contre Tobin Abiso Awana, plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli Lissoussou, plus 44 74 24 025 737. Balapa. Réalité, vérité, réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance TV, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Je sais que vous êtes très très nombreux à nous suivre. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, puisqu'il y a certains qui ont l'habitude de nous regarder la nuit et un bon nombre également nous regardent pendant le jour. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous sommes très, 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 très actifs, mesdames et messieurs. Restez branchés puisque nous avons de la matière aujourd'hui et certainement nous serons tous bénis puisque nous avons notre invité, un habitué de ces plateaux, quelqu'un qui a un art oratoire. Il parle bien avec une manière assez particulière de communiquer. Évangéliste Roger Baka,
le moindre de tous, est avec nous aujourd'hui encore pour la énième fois. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, très affectueusement, celui que j'appelle apôtre Nélé, apôtre des gentils. Que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais te confirmer que j'ai reçu un message WhatsApp de quelqu'un qui m'a dit, j'ai reçu votre numéro auprès de l'apôtre Nélé. J'ai dit, ah bon, appellation bien confirmée. Donc, apôtre des gentils, l'éternel Dieu t'a déjà confié la charge de paître et ses brebis. Un grand merci à ceux qui nous suivent à partir de la maison, qui à tout moment, lorsqu'ils voient l'émission décodée, ils ont même commenté, nous attendons cette émission impatiemment. Vraiment. Alors que Dieu soit loué pour cette attraction, c'est pour cette inclination naturelle qu'il vous donne de vous passionner, de suivre ce travail. Un grand merci, bien-aimé dans le Seigneur, à tous ceux qui nous aident, parce que nous avons encore par la grâce de Dieu, à remercier tous ceux qui nous aident par leur intercession, par leur prière. Comme tu l'as dit, la matière est le vaste, mais par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, je te laisse la primeur. Mais moi, tout ce que je sais, la Bible dit clairement, dans les livres de Ésaïe au chapitre 9, le verset 1, « Un peuple qui vivait dans les ténèbres voit une lumière à venir. » Le ténèbre, c'est l'ignorance totale de Dieu. La lumière, c'est la connaissance de Dieu. Cette référence est complétée par Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais cette liberté est complétée par celui que nous appelons Job, au chapitre 32, le verset 8. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc nous allons nourrir l'esprit des enfants de Dieu pour éviter qu'ils tombent dans 2 Thessaloniciens. Au chapitre 2, le verset 11, ces gens-là, Dieu les a frappés par un esprit d'égarement. Donc, nous mettons de côté l'ignorance et l'égarement. Nous disons, soyez le bienvenu dans cette émission intitulée « Comment décoder ?» Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, rapidement, si vous n'êtes pas abonné, en tout cas, nous vous prions à ce que vous puissiez aller vous abonner rapidement, rapidement. C'est le tout nouveau numéro. Alors, je crois que nous allons toucher plusieurs points. Bien sûr, comme d'habitude, mais tout simplement, nous allons y faire un passage en clair par rapport à cet événement déjà pour le 29 et le 30. Je crois qu'il y a les gens appellent de part et d'autre, comment ça va se passer. Homme de Dieu, vous êtes déjà prêt? Ouais, nous nous préparons, nous nous vivons prêts. C'est-à-dire que nous croyons que l'Éternel, Dieu, nous a appelés pour présider à la destinée de son peuple. Et la raison pour laquelle nous remercions tous ceux qui vont déjà suivre ces programmes, nous sommes le 28. Bah, donc, le 29... c'est un vendredi, nous commençons la conférence qui passera en direct sur Évangéliste Roger Baca Télévision et sur Nouvelle Tendance Télévision. Vous nous suivrez en direct avec le premier thème qui est intitulé « La gestion de l'information ». C'est-à-dire que lorsque vous lisez Amos 4, 6, la Bible dit « L'Éternel, notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Donc, c'est une race ou bien le rassemblement des anticipateurs du cosmos événementiel. Avant qu'une chose arrive sur la terre, l'Éternel sonne de la trompette. Mais il y a des gens qui l'ont disposé dans chaque famille, dans chaque capitale, dans chaque pays et dans toutes les nations sur le plan international. C'est une race de personnes que l'Éternel utilise pour annoncer les événements à venir. C'est pourquoi nous les appelons les anticipateurs du cosmos événementiel. Donc, avant que quelque chose n'arrive, l'Éternel a l'accord avec Jérémie, a l'accord avec Ézéchiel 3. Il a dit, si je place parmi vous un prophète, tu entendras des choses qui viendront de moi et tu leur avertiras de ma part. Donc, c'est une génération qui est en Europe, c'est une génération qui est aux États-Unis, c'est une génération qui est en Afrique et c'est une génération qui va entrer en vigueur. Et cette génération anticipera les événements politiques de la nation. Cette génération anticipera les événements ecclésiastiques liés à l'eschatologie et aux événements de la fin du monde. Voilà pourquoi, dès demain, à 7h30, soyez en ligne. Comment être en ligne? Vous allez sur Évangéliste Roger Baca, vous cliquez dès aujourd'hui. Vous appuyez là où écrit « s'abonner ». Vous allez dans Nouvelle Tendance, vous cherchez là où écrit « s'abonner ». Maintenant, quand vous voulez entrer en direct, vous attendez seulement 7h30 heure de Kinshasa, vous appuyez Évangéliste Roger Baca ou Nouvelle Tendance. Vous voyez, c'est mentionné en bas, direct. Direct, oui. Sur base de cela, quand vous cliquez directement l'image, vous êtes en direct avec nous. Donc, ça va prendre fin le samedi avec comme thème la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance.
c'est-à-dire le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance et le ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire. Il y a des gens qui ont des dons, qui ont des ministères prophétiques, mais le contenu de l'enseignement sur le ministère prophétique, ils n'en ont pas. Voilà pourquoi nous allons l'aborder le samedi et consacrer maintenant toute cette année à ce vent qui va souffler dans la République pour susciter et réveiller les héros qui s'endormaient. Alors que Dieu te bénisse. Amen. Merci, merci beaucoup. Alors je crois que nous allons toucher déjà en ce qui concerne l'actualité. Ça fait parler, tout le monde en parle. Différentes interventions des, entre guillemets, évêques Denis Lessie. Alors, je crois, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne poses pas cette question à l'évangile, c'est Roger Baka. Je crois aujourd'hui, il va réagir par rapport, en rapport bien sûr avec ce qui se passe actuellement, parce que tout ce qui tourne tout autour de l'église corps de Christ, vraiment là, vraiment, il est très sensible. Depuis un certain temps, les gens disent, mais évangéliste Roger Baka, il est furieux, il ne veut pas entendre les gens blaguer avec le roi des rois, le seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, et tout, mais comment est-ce qu'il s'était, il est calme, il ne dit rien. Et voilà, aujourd'hui, je crois qu'il va réagir. Est-il important à ce qu'un serviteur de Dieu se mêle des affaires de païens? C'est la question. Homme de Dieu, vous avez la parole. Donc, si un homme de Dieu, dans le cadre du ministère majoritairement connu, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs et pasteurs pour le perfectionnement de saints. Le mot païen n'est pas là-bas. Pour le catartisme aussi des saints et pour l'édification de l'œuvre de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est-à-dire que tout ça ne tourne que dans la chrétienté. Donc, un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à s'occuper de ce qui se passe en dehors. Maintenant, la question, elle est bien posée. Le frère Denis Lessie, que je salue, qui j'ai vu beaucoup de vidéos, je profite de l'occasion, avec amour, de lui dire ce qui suit. Le païen se pose la question. Est-ce que ce que tu fais, c'est bon ou c'est mauvais? Eh bien, si c'est bon, ah, là, il semble que Roger Baka aussi le fait avec les gens de la communauté chrétienne. Il dénonce, certains vont dire même, ses collègues pasteurs. Est-ce que ce qu'il fait, c'est bon ou c'est mauvais? Moi, je ne dis pas en fonction de la question que tu m'as posée. En fonction d'un groupe de gens assis en France, téléphone main libre, ils m'ont appelé pour que je leur dise. Est-ce que devant nous parler de Fali, que je salue, il peut sortir en image parce que nous on montre tout le monde. Il peut montrer Ferré. Peut-il parler de Dingwe? Est-ce que il doit parler de Inosibi? Nous connaissons tous ces noms-là. Mais apparemment, de moins en moins, il y a des références bibliques dans la bouche du pasteur qui est le nom des stars. Parce que quand tu commences à citer le nom des gens, autant tu les as cités, il faut poser le fondement. Autrement dit, tu racontes les standards des hommes. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire à l'égard de toutes ces choses? Nous allons poser le fondement. Première référence biblique. Tout le monde le sait, que vous le dites souvent. Je vais les étaler à trois. Le premier, Matthieu chapitre 7. Le verset premier, au verset 2. Mon Dieu, que dit la parole de l'Éternel? Telle que complétée par 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 11, vous descendez. Posons le fond. Le fond. Donc. Afin que le frère Denis Lessie comprenne le message. Bon, pas seulement pour lui, mais pour ceux qui aussi veulent savoir si le ministère qu'il a commencé là, c'était un sixième ministère majoritairement connu, ou il faudrait qu'on pose le fondement. Évitons de faire le fanatisme dans l'œuvre de Dieu et la camaraderie. Je parle bien avec Denis Lessie, mon frère. Mais en matière de l'évangile, attention. On se soutient mutuellement dans la faiblesse de la chair. Mais quand quelqu'un touche à la doctrine, c'est-à-dire qu'il veut casser les os. On ne peut pas permettre que les os de Jésus-Christ soient cassés. Posons le fond. Le fond. Voilà pourquoi je me demande pourquoi ne pas chanter cette version. Il y a mon frère, ta question me pousse à chanter. Tu me permets? Allez-y. la version que je chante, c'est la version de Tatiana Cruz.
je trouve que c'est beaucoup plus inspiré que l'autre version. Je ne vois pas pourquoi les gens vont murmurer, c'est mon choix. Que Dieu te garde, Tatiana. Cette chanson, quand elle a chanté, ça a juste senti l'onction plus que même comme elle était chantée avant. C'est la première fois que je me suis fait tout le temps. Mais pourquoi je chante cette chanson? C'est pour autant dire, premièrement, est-ce qu'un homme de Dieu peut commencer à faire la comparaison entre Fali et Ferry? Un homme appelé par Dieu dans le ministère majoritairement connu peut-il perdre le temps à commencer, au lieu de poser le fondement, à comparer Werenson, que je salue, communément appelé le roi de la forêt? Osons le fond. Le fond. Matthieu chapitre 7, le verset 1 dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Ah. C'est le verset que tout le monde me donne. Mais toi aussi, non? Toi aussi, tu juges les gens. Ah, tu vois, aujourd'hui, quand c'est donné, c'est dit que ne jugez pas. Non! Je vous ai donné cette référence pour vous montrer que la Bible s'interprète par elle-même. Il y a des types de jugements. Ici, on parle du jugement téméraire. Le jugement téméraire, c'est le jugement qui se localise entre chrétiens et païens. Les gens du dedans et les gens du dehors, Posons le fondement. Parce que tu verras vers le verset 2. On dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil? Mais tu vois la paille de l'autre. Est-ce que l'homme de Dieu peut comparer la voie de fer? J'ai dit fer. D'avec la voix de Herman Abiyoshua. Ah, on va appeler Baba Kumbone. C'est pour dire. Maintenant, quand on dit le juge point, quand lui dit que tel succès ici-là, il le fait sur base de quoi? De quelle référence est-il? Biblique. Les gens vont répéter encore à l'aîné. Mais lui, frère, aujourd'hui aussi le juge. J'ai dit non. Ici, nous parlons du jugement téméraire. Le jugement téméraire, c'est que Dieu nous défend de ne pas émettre le jugement entre le lion et le chien. Attention. Nous sommes de la tribu de Jésus-Christ qui est un lion. On ne peut pas se comparer au chien. C'est pourquoi il a dit, ne prenez pas la nourriture des enfants, de peur de le donner au chien. Jésus appelait qui le chien? Donc les enfants, c'était les enfants d'Israël. Mais les chiens, ce sont les nations qui étaient autour d'Israël. Donc, il dit, ne leur donnez pas un son de chien. La fourrure du chien, elle est différente de la fourrure du lion. En vertu de quoi allez-vous les comparer? Première erreur du type 1. Deuxième erreur. Est-ce qu'il peut se permettre, lui, de dire que, Moukoulou, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Mais papa, Okomikuna comment? Il va donner une réponse, j'ai dit, oh non, Denis, écoute-moi bien, tu es mon frère. Je voudrais poser le fondement. Si tu refuses ça, c'est que toi tu as refusé Dieu, tu n'as pas refusé Bac. Posons le fond. On va maintenant compléter le jugé point. Afin que vous ne soyez pas jugés, la Bible se complète par elle-même. Tu verras beaucoup de gens qui passent à la télévision au nom de Dieu, disent moins de versets bibliques. Prenez désormais votre stylo. Quand un homme de Dieu qui prétend être serviteur de Dieu commence à parler, notez le nombre de versets et de références qu'il va donner. Notez le nombre d'appuis, d'arguments bibliques d'autorité qu'il a donné. S'il n'y en a pas, il cherche autre chose. Mais moi, je vais poser le fond. Le fond. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 11. À la question de savoir, doit-il parler de Jibem Piana? Doit-il parler de Wera? Puis-je moi aussi? Depuis que tu m'as vu ici, mon frère, tu m'as déjà vu moi parler de Dingwe. Non.
La dernière fois, je l'ai appelé même Yaïdi. Mmh. Au point où je vais dire à Edingwe, Edingwe, attention, tu ne me feras rien. Ah, Edingwe, c'est comme ça que tu parles d'Edingwe aujourd'hui. Papa, là, 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 hey. Si Edingwe dit, beaucoup de temps là-bas, yo, Nabilo Koso, bah déjà, tout le monde a déjà des ambassades qui dit. Nous sentons déjà que Dieu a diminué en termes de références bibliques. Mmh. Bah, tiens, Fonfane, moi je pense que je demande à l'opinion nationale, finançons ce combat. Voilà l'homme de Dieu qui vient de demander un combat que moi, Roger Baka, je m'engage comme arbitre. On va organiser cette année le grand événement de l'année. Combat Edingwe contre Tenilesi. Nous, on va le soutenir en prière. Edingwe aura sa fanfare. Je vous demande de nous communiquer la date. Mettons les moyens en jeu comme des mécènes. Et on va voir, Edingwe va faire... Alors, si les 20 pas, l'église n'a pas comme l'église, il y a Edingwe. Parce qu'on ne voit pas le risque que Moussouba soit caté. En attendant moi, à la manière dont il va faire ses autres qui étaient dans la démission, Denis de Sassosal, je le conseillerais de ne pas aller dans ce combat-là. Pour l'instant, on a déjà des bourbines, ça y est. Parce que ma version, c'est comme Bungayo, c'est que nous avons la carte à qui? À Kiti. Alors, ils ont tout le monde, ils sont là, mais caca. Tellement ils comptaient sur le coffre de l'Alliance, mais ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Il a désobéi à la parole. Il a compromis la justice. Au final, comme on s'en passe, on a la bango, on a la temple. Comme les trois mousquetaires musiciens congolais chrétiens. Entre guillemets. Tout commence par MMM. Maintenant, parce que n'a pité dans d'autres. Tant que comme il a bitumba n'a pité, kuna baboto du coffre de l'alliance. Zambe azaka camarade mututi. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Vous en avez fond. Éphésiens. 1 Corinthiens. N'allez jusqu'à autant que moi je veux dire seulement l'actualité à Lingala. Parce que les gens ont besoin de comprendre les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Qu'est-ce que ça dit apôtre Ndile, apôtre des gentils? Dans le béni. Mais n'oubliez pas la date du combat. Je vais proclamer la date à la fin. J'irai personnellement voir Edingwe. Je dis non, papa. Denis, les Savio, au Koukaïté. Baza, battu dans l'attaque à l'église. On a pour la vie dans le Koukabango. Fixez date. Nous allons soutenir ça comme l'événement de l'année. Mon frère Denis, les je n'ai rien dit de mal. Tu sais, je t'aime beaucoup. Mais toi-même, tu as provoqué le combat avec Edingwe. Maintenant, nous, on va vous organiser un combat. Faut pas dire qu'on a besoin de banater. Si tu ne viens pas, moi je vais prendre les dingues, je viendrai avec lui chez toi. Moi je connais la maison. Mais en ma belle. Moi tu vas pas y aller, mais viens à Bango. Toi déjà, tu vas prendre les entre les chrétiens, toi le belané Bango. Lisons. Maintenant, ce que je vous ai écrit, et là qu'on gagne Thomas Paul, on a commis les binous. C'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un. Qui se nomme frère? Oh, ma mère, 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 il n'y a pas les cas à l'émission, à comme autant à ma musicien, oh non, on a la clip à Moutakala, à Imbélias. Oui, mais là, c'est Moutakala la piscine. Et comme il m'a pouka, sur ma poupa, sur lui. A bien ôté comme ma non, mais là, quand même, ce sont des abominations. C'est-à-dire, je regarde mon frère, je dis, les écritures vont t'arrêter. Mais si les écritures ne t'arrêtent pas, la troisième référence te donnera la finalité de ta vie avant la fin de l'année. N'est-ce que Boulbagabaka, à la télé Moutoumabi, n'a prévenaka. Je ne sais pas prophétiquement. Pour que les gens ne disent pas que nous sommes en train de faire. Je vais permettre de me faire. Attention. Zamba yebi singai. Na fête ya kana, Jésus a bongo la kima y vino. Kasi sali wana, batte ba mouna kite.
Yamba soufflinga. Bikenda na veni luka na direction Birmanie derrière maison communale Yangiringiri. Ndio komuna salwana. Yango na ye. Po ye nzambe akosakate. Ponga na ebisa nzambe wana so akosi ngana ye tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchenk met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchenk, très très disponible. Bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin na yoto voisin na yo. Ce qui est que c'est un solo, fait que c'est un solo. Il y a un solo. Il y a un solo. Merci. Merci. Zambazope qui s'abissent, n'ayez pas de relation avec quelqu'un, c'est mon frère. Mais qui est impudique. Hein? Qui pude. Comment tu l'as mangé à Batou? Wazolandi. Nabayembi, tu as un. Il y a des bayembi, Wazolandi. Alors, bien que je vais chanter, et mes fonds me payent 4 000 $. Toi, tu dis non, on te paye 2 000 avant, 2 000 on va payer avant de monter sur le podium. Il arrive là, il se met. Nous appelons maintenant le centre de l'éternel. Il y a un signal de bon. Non, ma tête. Dénine, on a 2 000 étiquettes. Appelle ça, nana. Parce que ça, on a un bimbo, baby, allez, la famille, soit à soyer. Il y a ce que ça qui est 2 500. Sponsor, ami, mais monte d'abord, ami. Bon, on a un vivant dans mon salon. Hein? Appelle ça, n'est-ce pas? Appelle ça, n'a pas. Tant que ça, 2 500 pessiers. Quand matin la podium bala moko amoni longa moye bere changer. Ate. Alléluia. Idolâtre. C'est-à-dire il est frère en Christ. Mais ana id azana idolâtrie, ana nzambe moko ya sirène. Ana loko mala tana luketo. Ana loko moko ya ana passion exagérée. Ne loko moko. Donc c'est-à-dire que bonsoir mon frère mais azana loko moko ya makasi ya sala ka boye bité. PD. Attendez, on a un peu de temps. J'ai appelé la porte au bas. Je vais vous dire que vous ou outragé. Non, pour vous dire que vous êtes outragé à Sakanagati. Ou ivrogne. C'est-à-dire, Boker. Nous avons une confrérie de prophètes Boker. Je suis en train de faire un peu de temps. Piscine. Investe. Yaya. Peut-être que vous avez appelé la tête dans le bas. Na kuta pri de 8 prophètes. Robeta bok. Ba tiki place piscine ça. Ba kana kati kuna. Ba matiti moi ça kone bombana. Parce que moi na moko ya sanga tonton Roger, excuse-moi, je suis journaliste à la RTNC, je voudrais aller voir les serviteurs de Dieu pour faire l'interview mais c'est moi na ngai. Ne pars pas, tika ngana kende. Ba tonton ba sanga ba problème ibele. Na kota bwe mon frère. Tiribo king. Nicolas Messa, ma prophète ya moko, je le vois à la télévision. J'en connais d'autres, je vais citer les noms, ça serait problématique. Ma sangue, son pète, ma loco, le moussou. Préfère y être, tous, la bouteille. Comment la monnaie, pour avoir. Faut que je vais bien, je vais déjà battre, tu vas en tu vas en tu vas en au cours de gras. En catimini. Moi, la monnaie, bien. Donc, c'est l'ensemble, ils sont en train de prendre l'alcool plus que tout. Et
certains prennent même l'alcool dans une tasse de café. C'est bien, on est dans l'émission décodée. Papa, lis d'abord la chose. Ou ravisseur. Comment tu l'as là-bas? Nous avons ici, les gens ont la cabine de côté, nous avons des musiciens chrétiens, ils se sont précipités, les femmes avec des drummers, des orchestres. Je connais un drummer de maison mère ici, moi si n'aille à Kimanemba, on est un musicien chrétien. Mamé, tu es sans pareil. La première mignon, c'est donc la babandien, il termine ça chez les femmes d'autrui. Ravisseur de femmes, mais c'est le musicien. Mais pasteur, il y a beaucoup de femmes. Toi, tu vas prendre seulement la femme d'un Mupagano. Mais toi, tu ne pouvais pas éviter ça. Lis la chose, mon frère. De ne pas même manger avec un tel homme. Maintenant, toi qui dis que n'a tel même pas collègue, mais on dit que ici, ces gens-là ne sont pas nos collègues. Mmh. Il ne faut même pas manger. Donc, même un morceau de pain là, on ne peut plus partager. Parce que dès lors que je prends le pain d'un frère en Christ qui se retrouve dans les affaires pareilles, moi, je suis souillé. Paul va plus loin. Il dit, ne mangez pas. Tu vois le niveau de l'apôtre Paul. Maintenant, ajoute pour comprendre l'essence de ta question, pour qu'on passe. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qu'est-ce que j'ai en effet à juger ceux du dehors? Dehors. Il ajoute quoi? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc tu vois maintenant qu'ici on a les gens du dehors? Dedans. On a les gens du dehors? Dehors. Bon, je vais te citer les gens du dehors, c'est qui? Les gens du dehors, ce sont les gens qui n'ont pas publiquement confessé qu'ils appartiennent à la religion chrétienne. Maintenant, pose-moi la question. Ces gens-là, c'est qui? Paul dit, qu'ai-je en effet, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? C'est-à-dire que mon jugement ne doit pas se diriger vers les gens du dehors. Je dois juger les gens du dehors. Or, les gens du dehors, ce sont les gens qui n'ont pas affiché publiquement qu'ils sont chrétiens. Mais les gens du dedans, ce sont les gens qui disent qu'ils sont des pasteurs, des chantres, des serviteurs de Dieu. Bon, dans la liste des noms, les gens du dehors, c'est qui? C'est toi qui dois me poser la question maintenant. Ouéra. Ah, 10 sur 10. Azam, gens du dehors. Balobite, les gens ne comprennent pas. Balobite, que Ouéra, Azam, Tamisala, Mabi. Non, mais c'est un païen. Un païen ne veut pas dire quelqu'un qui est sorcier. Non, dans la religion chrétienne, on appelait païen les gens qui n'ont pas adhéré à la foi chrétienne. Cette connotation de vouloir faire d'un païen un sorcier est venue avec la communauté d'aujourd'hui. C'est pourquoi on les appelait les ainsi, les incirconcis, comme on les appelle aussi les circoncis. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas publiquement confessé qu'il est dans la foi chrétienne. Et vous le voyez même par sa profession. Qu'il n'est pas dans votre affaire de gagner les âmes pour Jésus. Mais il n'est pas forcément un sorcier. On se comprend bien. Au-delà de païens, il y a ce que la Bible appelle le méchant. Maintenant, les méchants sont là. Tu verras qui sont les méchants. Un méchant est plus grave qu'un païen. C'est de lui que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 7. Chapitre 7, les versets 11 à 12. Maintenant ici, les gens disent dehors, « Toke papa, ton temps n'a pas comme moi. » Et tant ton temps a, c'est la photo n'aille, comment gâte, pour te le bien de malam pour n'aille. Premier gens disent dehors, « Frère, il y a eu, on t'a dit bande. » Trouver le mabé mokote, trouver le kakasa moutaliba. Libanda par rapport à quoi? Je répète, Libanda par rapport à publiquement, il n'a jamais confessé qu'il appartient à la religion chrétienne. Par conséquent, comme il n'a jamais fait ça, que nous les chrétiens, nous ne devons pas l'attaquer. Parce que les gens disent dehors. Fali, on ne doit pas l'attaquer. On ne peut parler de Fali que lorsque l'Éternel Dieu a parlé de Fali dans la Bible. Mais le nom de Fali est où dans la Bible pour que vous parliez de lui? Maintenant, les gens vont dire, oh, mais toi, tu parles aussi de l'église catholique, tu ne comprends pas. L'église catholique a dit qu'il est, c'est une église chrétienne. Il est d'idée, du dedans. Au moins, une précision de Banigoya. Déplique. Mon jeune petit frère. Oh, on a un musicien. Oh, j'ai un piano. Oh. Mais à quoi tu connais comment? Oh, ouais, le roi de la foi, il est entré comment? Tu es en dehors de la doctrine chrétienne. Nous n'avons pas à juger ceux du dehors. Donc, tout jugement que tu fais sur les gens du dehors relève de l'incompétence ministérielle. Mais nous avons à juger ceux du dedans. Bon, maintenant, suis-moi. Lis-moi les gens du dedans, tout en bas, comme on dit en bas,
je vais parler de vous. C'est vous-même qui avez dit que vous êtes des pasteurs. Ça va longer le combat qui passe, on a appelé la technique de ma solution. Publiquement, tu dois faire la déclaration. Ne mon nom c'est qui a mis en disponibilité, musicien. Ah puis je demande la mise en disponibilité. Les gens jouent avec Dieu. Toi. Dans Corinthiens 5, 11, 12, on y va. Qu'est-ce que j'en ai fait à juger ceux du dehors? Pour ceux du dehors. Pour ceux du dehors, c'est-à-dire, il faut être clair. Ceux du dehors, c'est-à-dire, ouais. Oui, là. Kofiolo. Kofiolo Mendi. JB. JB Piana, Fali Pou. Il peut pas. Faire, bah, tout ça, bah, Watanabe aussi, mon frère, faut pas oublier. Bah, le bon, nom, c'est tout le temps. La Fabricas. Hein? Yamadou, la Fabricas. Donc, je connais ces gens-là, je les vois, ils chantent leurs chansons. Il faut pas oublier tout le monde. Lacoste. Voiture sans moteur. Cabossé. Cabossé. Tu vois que je connais. Mais il y a et puis, ils ont dit que je suis un total. Les païens ont besoin de regarder ton comportement en tant que chrétien. C'est ce qui va les influencer à abandonner le monde païen pour venir vers vous. Mais quand toi qui prétends parler de Dieu, on te retrouve dans les mêmes pratiques. Consommateur potentiel de Zoujana. Et on compte à Moutaribo son hôtel. Oura, au côté. Deux minutes après, Métis Mokalandi. Métis son païen kaka. Alors, comment vous dites? Chambre 21. Si on te fait des bigues, chambre 21, tu as tout son goa, ils ont les gens du dedans. Ne bat pas dedans dans ton côté. Barbini. Pour ceux du dehors. Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Si on a un peu d'ingoui, non, mais d'abord, j'ai dit, et dit, oui. Ôtez les méchants du milieu de vous. Ok, c'est pas bien, ôtez les païens. On a dit, ôtez les païens. Ôtez les méchants. Ôtez qui? Les méchants. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont plus païens que Ferry. Plus païens que Dingo, dans son film. Plus païens que Fali et Poupa. Plus païen que Werenson. Aza plus. Nous sommes bien guéris païens. Nous sommes bien guéris méchants. Ça dit, nous devons continuer à faire nous salons ensemble. Pas bon, ma réputation, nous salons ensemble. A bébé, ça honneur, à passer ensemble. Donc, c'était méchant. Maintenant, la Bible dit, faites quoi? Ôtez le méchant du milieu de vous. Si on te contient, ni. C'est en faisant le jugement du ciel du dedans. C'est quand les gens du dedans. Les gens du dedans. Ce sont les gens qui se nomment frères. Donc l'agent du dedans. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as parmi les gens du dedans, ils sont bien. Mais on va voir que tu as dit que tu as dit que tu as il est dit il est pasteur. C'est les gens du dedans. Il y a des affaires dans la bac. Frère, tu auras affaire à faire. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit chanteur de l'éternel, il est dit dedans. Michel Bakenda, chanteur de l'éternel, il est dit dedans. Ok. Moïse Matuta. Moïse Matuta, il est dit dedans. Ok. Henri Papa, il est dit dedans. Atoms, il est dit dedans. Oui, tout le monde est dit dedans. Sonika Futa, Dodo Kamba. Deuxième président attitré, reconnu, officiel. Sonika Futa, il n'y a pas si haut. Il n'y a pas. La vérité des urnes. Oui, mais il y a une cour constitutionnelle. Il y a une cour constitutionnelle. Il y a une cour constitutionnelle. Parce que, Dodo, c'est mon frère. Hein. On parle bien avec Dodo Kamba. Et d'ailleurs, je peux te rassurer que ça fait plus de 15 ans. J'étais avec Dodo Kamba à Brazzaville. Je faisais une grande conférence, lui aussi prêchait. Nous nous sommes retrouvés dans le même hôtel. Et il était enrhumé. Nous nous sommes vus, on a prié ensemble. Mais aujourd'hui, même Albert Kankenza, il est dit dedans. Continuons à faire non, dit dedans. Moukouna est dit dedans. Ah, ça coule bien au corps. Dit dedans. Ton bisou, c'est la carte. La carte. Si on t'a même mis sur le banan, on a eu. Bon, attaquer ma païen, t'es pas, il faut pas qu'on a monté. Monté. Mais bon, il y a attaqué Bino Labino. Mais ceux qui vont découvrir que méchants Ali. Bolo. Bolo, on l'a eu. Chicoyo, deuxième actualité. Il y a pas méchant. C'est toi qui poses la question. Merci beaucoup. Là, c'était le premier point. Et je crois déjà ça fait quelques jours. De toutes les façons. Mais il y a la troisième référence à la PCT. Où est-ce que le col à Moutabo est comme un commis au lobby. Sors dans les arbres. Et dans l'Apocalypse, chapitre 3.
pour poser question. Mm. Posons le fond. Le fond. Apocalypse chapitre 3. Mm. Nous lisons le verset 9 à 10 de ce qui est là. Nessika, je dis bien, dans le but de Zabongo, Nessika, Denis, laisse la zone risquer à Miboak. Ce qui a continué à vendre la zone qui est là. Dans le but, ils allaient risquer. Balobini. Voici. Tala. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Ils allaient battre moi comme dans la carte, il y a Tempelo et Satan. Qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Mais qui mentent. Donc attention, les gens commencent, risquent de commencer à dire, ah, tu vois, c'est des pagans, hein? Ah, tu es de la synagogue de ça, Satan. Tu t'es dit que tu es chrétien. Alors qu'à travers tes déclarations dans les réseaux sociaux, on commence à sentir que tu t'éloignes petit à petit de Dieu. Mmh. Donc tu étais aimant. Ils disent quoi encore? Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc, la temps où ils ont traversé l'année 2021, l'Éternel va faire sortir tous ces gens qui se disaient chrétiens, mais qui ne le sont pas. Et vous allez le voir, l'actualité va reprendre dans l'accusation des faux pasteurs, dans l'accusation de la dénonciation des faux chantres. Les événements vont se réveiller brusquement parce que Dieu leur a donné un temps pour se repentir. Ils n'en ont fait qu'à leur tête. Vous allez le voir dans la suite des temps. Merci beaucoup, homme de Dieu, le moindre de tous. Nous prenons le deuxième point. Le deuxième point consiste bien sûr, ça tourne tout autour de l'actualité. Depuis quelques jours, déjà sur les nets, nous voyons des différentes et photos, audio bien sûr, qui circulent, qui touchent sur le chantre au pasteur Moïse Mbillé et la sœur Esther, donc Natacha Esther, et je crois, sur le ministre, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, c'est audio qui est en train de. Qui étale certaines réalités, certaines choses sur. Pasteur Moïse Mbi, homme de Dieu, vous êtes au courant parce que je sais que vous êtes aussi ami. Il est l'idée, dedans. Naï, je le dis clairement. Ce n'est pas que je dis que Baka est parfait. Mais l'évangile, elle n'est pas parfaite. L'évangile ne s'adresse pas à elle-même. L'évangile trouve des gens pour s'adresser. Donc, il y a des messagers qui sont porteurs de l'évangile. Quand tu es porteur de l'évangile, à ce moment-là, tu dois éviter de dire des choses qui sont contredites par tes actes. Oh non, tu vois qui pète, toi qui pète, t'es dingue. Pour la nini, yo, t'es abattu, yo, l'imoti kate. Encore, le frère. Posons le fond. Le fond. Je vais te dire trois faits. On a la yébi. Trois, quatre faits. Des Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 11. Parce qu'on va poser le fond, le fondement. Moi, j'apprends. Il y a une sœur, mais pour les gens qui ne savent pas, on ne montre pas sa photo, hein, pour éviter des problèmes. Mais il y a une sœur qui est à l'étranger, qui a prétendu dire maintenant dans l'audio, moi j'ai l'audio, moi aussi on m'a donné, c'est public, tout le monde le sait, c'est un autre événement qui vient de tomber au milieu des gens dedans. Nous les dehors, ça ne nous concerne pas. Et cette femme prétend qu'elle aurait vécu 5 ans en cachette avec un homme. L'homme qu'elle-même a cité le nom, que nous aussi nous avons entendu. Il semblerait que cette femme dit dans ses propos que moi maintenant, je sors déjà avec un autre homme. Le verbe sortir là, ce sont des verbes qui cachent beaucoup de connotations sexuelles. Moi, je ne veux pas interpréter là-dessus. Alors, dites-lui que je sors déjà avec quelqu'un d'autre. Oh, comment tu peux parler de verbe sortir? Donc, vous étiez en train de sortir. Donc, au-delà de tout ce que nous avons entendu, il y avait encore quelque chose qui s'est caché. Donc, c'est un exemple. J'étais dans FCC. Mais dites-leur maintenant que j'appartiens à l'Union Sacrée. Donc, c'est-à-dire que tu appartenais aussi à FCC. Tu as quitté. Donc, si quelqu'un dit, dites-lui maintenant que moi je sors avec un autre homme. C'est-à-dire que vous avez pris une vie conjugale ensemble. Maintenant que vous avez arrêté, toi tu es parti, l'autre n'est pas content. J'ai fait une analyse sentimentale. Non. Je reconnais qu'un jour dans une page,
j'aurais vu quelque chose déjà. C'est la même sœur à l'époque de Eliane. Oui. Cette sœur avait commenté quelque chose. Nous avons compris cela comme des chrétiens qui soutiennent les hommes de Dieu. J'ai vu aussi l'homme du dedans, l'un des trois mousquetaires. Il a répondu. Il dit, avec expression d'amour, à remercier. Mais aujourd'hui, c'est la même femme qui avait commenté à l'époque de la sœur Eliane, que j'ai tais les noms pour que les gens comprennent quand même de l'actualité. Aujourd'hui, c'est la même sœur qui se lève et qui dit, bon, il s'agit de la chanson de la mobile moussous. Allons la photo dans la vie, la vidéo qu'on a tiré. Maintenant, les commandes sont engrenées pour tout le bilan. Dedans. Dès Thessaloniciens chapitre 3, le verset 11. Baromini. Verset 11. Nous apprenons. Oh, Baka a parlé de lui. Mais Baka, pourquoi tu t'acharnes beaucoup sur les mousquetaires? Moi, j'ai dit, est-ce que toi, tu m'as vu? Toi, tu n'as pas regardé le film Les Trois Mousquetaires. Tout le monde aime ces films-là. Alors, quand les mousquetaires commencent à nous reproduire les événements des Trois Mousquetaires, nous aussi, on s'intéresse. Oui. Nous apprenons. Ce n'est pas moi qui m'intéresse. C'est l'actualité de cet homme qui ne fait que se répéter, qui est confirmé par 2 Thessaloniciens 3, 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Quand il regarde les choses, il dit voici, t'as là-bas, tu vas pas chrétien, regarde les choses qu'ils font. C'est comme ça que l'image de tous les chrétiens a saboté à cause de quelques groupes de personnes qui voulaient nous démontrer que la liberté est continuelle, même si on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu commence à les exposer pour leur dire je ne suis pas avec vous. Sortez qu'il y en a 14. Les gens disent dedans. 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons. Mais ceux qui est bandit dans la dénilise. J'ai cité son nom. Jésus le mousquetaire. Mais ceux qui battent, ils ont tous été. Moukanda ou Ekomami. Par cette lettre, notez-le. Toi, tu es chrétien. Quand on dit que note quelqu'un, notez-le devant tout le monde. C'est-à-dire réprimander-le devant tout, pour que ce comportement s'arrête, afin qu'il éprouve de la honte, qu'il arrête ce qu'il fait. Mais c'est biblique de reprocher les gens en public, parce que les bêtises passent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas reprocher quelqu'un en cachette quand il fait des bêtises en public. Cette actualité risque de nous prendre toute l'émission pour poser des fondements. Mais on ne traînera pas là des citants, mon cher. Notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui. Bon, on dit quoi? Afin qu'il éprouve. Non, toi tu me dis que moi, que non, le mousquetaire est limité. Oh, attends, mais pourquoi toi tu ne le cherches pas? Maintenant, toi tu es plus intelligent que l'apôtre Paul qui a dit. N'ayez plus communiqué. Là-bas, il avait dit ne mangez pas avec elle. Donc, ne pas manger avec quelqu'un, c'est un langage. C'est-à-dire, n'écoutez même pas sa musique. Parce que quand tu écoutes la musique de quelqu'un, tu es en train de le consommer. Donc, la Bible interdit déjà, il dit même sa musique, n'écoutez pas. Maintenant, quand vous n'allez pas manger sa musique, deuxièmement, n'ayez aucune relation avec lui. Quand il n'y a pas de relation entre ce qui est ténèbres et ce qui est lumière, il n'y a pas de relation entre Bélial et Dieu. On n'est pas de saint, mais nous suivons une saine doctrine. Maintenant, on dit ici, n'ayez pas de relation. Bon, quand on dit maintenant, n'ayez pas de relation, on veut dire quoi? Toi, lui, il a fait pour moi la gravité. Afin qu'il éprouve de la honte. Donc, ceux qui ont la boîte, ils sont des mousquetaires. Ils ont pas eu de son. Parce que Ron a beaucoup commandé. Ils ont commencé à avoir un groupe qui a été en train de se faire. Ils ont commencé à avoir un diable. Donc, ils ont commencé à avoir un groupe qui a été en train de se faire. Parce que ils ont commencé à avoir un groupe qui a été en train de se faire.
Pourquoi il faut d'abord respecter la charte, la charte de l'impudicité. Il faut accepter la charte de l'adultère. C'est-à-dire, il faut s'équiper de ma gâte. Il faut se consommer, il faut se tant que des chrétiens. Pour éviter de payer ma bébé, ça va suivre. Donc, toutes les bêtises qu'ils font, ils s'enferment entre eux comme un secte. Et la Bible dit, n'ayez pas de relation avec ces gens-là pour qu'il y ait de la honte. De la honte. Oui, mais tant que Samuel... Tant que Samuel a multiplié qui va bêtise. Hein? Mm-hmm. Alors, bah, comment on a ce qu'on a public à Bimana. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Partez la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h, billetterie au point de vente habituel.